Bernard Montiel est dans la tourmente. Pour cause, le chroniqueur de Degré TPMP, plus ou moins est victime de menaces de mort après avoir apporté son soutien à Karim Benzema, sélectionne pour elle, Euro 2020. C'est officiel, Karim Benzema est de retour dans elle, équipe de France. Écarté de la sélection depuis 2015, le comeback du joueur du Real Madrid divise l'opinion publique. En effet, si certaines personnes sont ravies de cette nouvelle, d'autres ne comprennent pas la décision de Didier Deschamps de leur intégrer dans les Bleus. Bernard Montiel. Photo. J'ai image une vague de haine il y a quelques jours, dans Degré touche pas à mon poste, plus ou moins Cyril Hanouna et sa bande de chroniqueurs ont évoqué le sujet. Lire aussi. Karim Benzema, découvrait ses deux enfants Mélia et Ibrahim, qui ont changé sa vie en clamant son soutien à Karim Benzema qui fait son grand retour au sein des Bleus après avoir été mis sur le banc de touche pendant plusieurs années, Bernard Montiel ne pensait pas recevoir des insultes et des menaces. Sourire de Bernard Montiel. Photo. J'ai image le 20 juin 2021, sur le plateau du programme phare de C8, elle, ancien présentateur du Vidéogag, plus ou moins à dévoile quelques-uns des messages choquants qu'il a reçus. J'espère que tu finiras de capite comme un certain professeur. Il va porter plein de chocs par ses propos violents à son encontre. Bernard Montiel se dit blessé depuis. Arabe, tu es la honte de la France. Toutefois, le natif de Casablanca ne va pas se laisser faire. Bernard Montiel, acteur franquais et animateur de télévision, assiste à la première du COBU 3 au Grand Rex le 26 janvier 2020 à Paris, France. Photo. J'ai image par ailleurs, il affirme avoir porté plainte contre ses détracteurs. Toujours selon ses dires, il a contacté le ministère de l'Intérieur et qu'il y a déjà une piste. Par la suite, l'homme ajoute, Degré ces gens-là, qui insultent gratuitement sous couvert d'anonymat, il faut qu'ils sachent confidence, Degré TPMP, plus ou moins est-elle, une des émissions emblématiques du PAF. Présentée par Cyril Hanouna, les téléspectateurs y sont souvent moins de confidence venant des invités et des chroniqueurs. Par ailleurs, le 17 mars 2021, habitude discret concernant sa vie personnelle, Bernard Montiel a enfreint ses règles en parlant notamment de son célibat. Et oui, le sexagénaire éteint ses droits d'auteur à apprendre. Abonnez-vous à Mo Mama sur Google News.